Salut, voici la deuxième vidéo concernant la poésie germanique ancienne. Je vais vous parler là d'un poème que je ne connaissais pas vraiment, dont je ne connaissais que le titre. Et pour l'occasion de cette vidéo, j'ai approfondi mes connaissances dessus, j'ai essayé de lire, j'ai lu plusieurs sources secondaires sur le sujet. Et le poème en question s'appelle, du moins on lui a donné le nom, de Mospilli. Alors c'est un mot à la signification un peu incertaine, enfin très incertaine, qui pourrait signifier destruction par le feu. On retrouve ce mot-là dans le vieux norrois. Et le nom de Mospel, en vieux norrois, désigne un territoire de flammes ou un peu comme l'enfer. Le Mospilli, on va l'appeler comme ça, a été écrit au 9e siècle, on estime à peu près ça. Il a été écrit dans un dialecte bavarois de l'époque. Et ce poème est tronqué. Alors en fait, il y a le début qui manque et il y a la fin qui manque. Et on a simplement le corps du texte, le corps du poème. Et ce poème aborde les thèmes de ce qui se passe à la mort de quelqu'un d'un point de vue théologique, religieux. Ce poème est très religieux. À la mort de quelqu'un, il racontait qu'il y a un combat entre le bien et le mal, plutôt entre les anges et les compagnons de Satan, qui se battent pour savoir, pour déterminer le devenir de l'âme de quelqu'un, selon qu'il va aller en enfer ou au paradis. Et la seconde partie du poème aborde un combat plus général pour le devenir des âmes, enfin, et de l'enfer, enfin, de Satan, qui est clairement nommé dans le texte. Et alors, dans le texte lui-même, on parle de Satan, donc de l'Antéchrist. On parle aussi d'Élias, qui est un prophète dans l'Ancien Testament. Et on parle du Christ, donc. Donc c'est vraiment un texte religieux chrétien. Et donc, faut savoir que, contrairement au Nord qui s'est évangélisé au 11e siècle, 10e, 11e siècle, l'Allemagne de l'époque était déjà christianisée. Du moins, le sud de l'Allemagne était déjà christianisé. Et là, on voit une forte empreinte donc chrétienne, avec des empreintes païennes qu'on ne sait pas tout à fait correctement mesurer. Et là, mystère. La technique utilisée pour structurer ce poème est plutôt mal faite par rapport au poème classique de l'époque. C'est-à-dire que les allitérations qu'on retrouve dans chaque vers est parfois incertaine, mal faite, et donc ça amène à penser que c'est un texte qui était à l'origine, faut du moins dont la structure était plus ancienne et plus travaillée dans les règles de l'art germanique de l'époque. Mais que ce texte a été retouché et mal retouché par un autre auteur. Pour finir, je vais lire quelques lignes de ce poème du Mospilli, en espérant que la prononciation soit assez représentative de ce qui pouvait être prononcé à l'époque. Donc, syntax pigfeme. Das towan skal. Vonta sarso sich
Tiusella indensint archevit. Ce qui donne, avec une prononciation approximative, syntax 100 jours, piqueme devienne, que 100 jours devienne, ou deviendrait, das erto wenskal, qu'il devait mourir. Vuenta, car, sarso sich tiusella, dès que son âme, archevit, était élevé, indensint, sur le chemin, sur son chemin. Donc, dès que son jour est arrivé, dès que son jour où il doit mourir est arrivé. Juste pour dire que les deux premières lignes que je viens de vous traduire, elles ont l'air d'arriver de nulle part comme ça. Et ben, c'est le problème du manuscrit, c'est qu'il nous manque le début. Ce qu'il y avait avant ce commencement.